fait là-bas avec le Qatar? Le premier accord, c'est avec la marine marchande. En fait, nous voulons créer un peu le contact avec la marine marchande pour savoir un peu exactement comment les réglementations qu'ils utilisent à ce jeu là-bas pour la gestion des réseaux. Pour la conformité avec notre réglementation en Guinée. Mais j'avoue qu'il y a eu déjà des échanges entre les techniciens et les Guinée. Donc nous avons décidé, n'est-ce pas, qu'il y ait cet accord-là. Ce qui est le sauvegarde de nos eaux, la réglementation de la gestion de l'eau. Et ça, c'est le premier accord. Le deuxième, c'était avec le port autonome. Le port autonome, c'est question à la besoin de mise à niveau. Donc là-dedans, nous avons prévu la formation des cadres, nous avons promis la mise à niveau des cadres qui sont déjà formés. Et ensuite, quels sont les modes d'exploitation que les deux ports autonomes utilisent. Donc essentiellement, c'est dans ce cadre de coopération que nous avons signé les deux années. Merci. Merci. Donc finalement, il n'y a rien d'investissement pour nous. Merci. Merci.